We pursue Brother Quinta. His Psyker Pow is launching the heavy dreadnought ahead of us. The corpses of Tyranids are cast aside like ragdolls. We run deeper into the ruins. But we lose the librarian to the darkened halls of this dead city. Shadows creep in on us. The Xenos test, lunging, fainting. My brothers tear them apart, but it is only a matter of time before the darkness is unleashed and crushes us all. An explosion! Crotonax runs ahead, the Tech Marine more limber than I have ever seen him. We run and are confronted with a violent tableau, both beautiful and tragic. Ok, donc, là, à mon avis, il va y avoir de l'action. Frère Kindar. Le choc de la mort de Sanguinus au plus fort de l'hérésie d'Horus a envoyé des ondes de choc psychiques à travers toute la 9e Légion. Aujourd'hui encore, le souvenir de cette trahison résonne dans les génogermes des Blood Angels. Lorsque ce contre-coup psychique devient trop fort pour un frère de combat, il se perd dans les hallucinations remplies de rage et succombe à ce qu'on appelle la rage noire. D'accord, donc ça c'est lié avec Horus, un des favoris de l'empereur Katrarine Empereur, qui a mené une guerre civile entre tous les Space Marines. Et qui a eu ce qui a amené à l'existence, on va dire, des Space Marines du chaos et tout le tralala. On va faire court. Alors, j'irai pas plus loin. Après, si les experts du lore, bah, vous voulez faire, je vous laisse la main. Même ceux qui sont enterrés dans le cercueil d'un Dracnou ne sont pas à l'abri des risques inhérents à leur génogirme. Même si l'existence de la rage noire n'est pas tenue secrète, les Blood Angels tentent de minimiser les preuves de l'existence de la faute devant les non-membres du chapitre, surtout lorsque des Psykers sont impliqués. Donc, ceux qui peuvent faire des pouvoirs magiques et tout ça, grosso modo. Donc nous aurons 2000 points et 12, encore 12 crédits de QG, donc qui vont nous être très utiles à mon avis. Ah merde, j'ai passé le truc. Je vais recommencer, attendez, désolé. Je voulais faire une capture d'écran en fait et le truc il s'est mis. Au pire j'appuie sur F12, j'espère que ça va passer. A mon avis, il faut pas l'en faire chier si j'ai bien compris. Oh, oh. Ok, donc on a 600 points de trop. D'accord. Avec les bonus de la sœur, tu me diras. Déjà, je vais retirer l'archiviste. Ça me fera 210 points de gagné. Ouais, celui-là, c'est l'avant-dernier. Donc là, j'ai terminé le 18, donc là, c'est le 19. Oh putain, il a frère Kindar. Oh, il a mangé. 19. Il me faudra encore virer 390 points. Je peux pas virer les deux drains, j'en aurais besoin. Admettons, je vire le... Où est-ce qu'il est? Ouais, je peux le changer, je l'ai justement. Mais bon, là, pour le moment, je t'avoue que c'est pas trop le moment. Donc, lui, je le retire. Il me reste 270 points encore. Je t'avoue que j'ai envie de jouer sur... Après tu vas me dire j'aurai 3 Dragnout, tu me diras. J'aurai 3 Dragnout avec l'archiviste. Ça me retirerait 215 points. Admettons. Attends, j'ai testé un truc. La sœur. Est-ce que je garde son pistolet à plasma ou son épée? Si je retire son épée, admettons. Ah, il me l'a pas pris en compte. Je retire juste l'épée. Ça me fait 2000 tout pile. Elle a un pistolet à plasma. Ouais, ça peut être une solution pertinente. Pourquoi pas? Bon, là, je joue quand même sur du mécanique. Beaucoup de mécanique. Donc à mon avis, il va falloir foncer. Moi, le scénario, comment je le vois?
foncer sur son corps et essayer de massacrer tout ce qui arrive. Voilà ce que je comprends. En plus, on aurait deux prêtres sanguignes, on aurait deux soigneurs basiques, on aurait le lieutenant, on aurait la sœur avec son plasma maintenant qui va à mon avis faire des ravages. Pour moi, je pense que c'est pas un mauvais build à 2000 points comme ça. Mais ça fait vraiment le truc là, ça fait vraiment jeu de plateau, ça c'est agréable quoi. Par contre, toi, tu vas venir là. Les agresseurs, j'essaie de les mettre en première ligne aussi. Voilà. Ouais, je pense que là, ça doit être une bonne compo d'armée, ça. Approcher du cadavre de Kindar. Alors, est-ce que ça a pris en compte? Oui. Ouais, ça a pris les points en compte. Je pense le truc de l'archiviste Tupac. Parce que j'avais 40 points de mécanique facile, et là je passe à plus de 400, il n'y a aucun truc qui peut passer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en face? Ah oui, mais vous êtes nombreux, dites donc. Bon, comment qu'on va faire déjà? Ah, il y a du gen stealer sur la droite. Alors, on va réfléchir un peu. Qu'est-ce qui est prioritaire à dégommer? Parfait. Ça c'est fait. Je pourrais mettre accélération et aller foutre en l'air le Tyrannofex sur le côté, mais j'ai peur de ce qu'il y a derrière quoi. Faut réfléchir, vite et bien. Oh, j'ai une idée. Ah, c'est le fuseur. Putain, je me suis planté. Merde. Ça pue par contre. Ça pourrait me coûter très cher. Aïe, aïe, aïe. Il y a un autre Tyrannofex de l'autre côté. Ah là là là, j'ai mal joué d'entrée de jeu, ça risque de nous coûter cher. Ah, putain. Bon, je fais de la merde, il y a des périodes comme ça. Alors, admettons, je vais tenter un truc de fou. 80%, tu le prends. Non, je vais pas restart tout pas, sauf si vraiment j'en ai pas le choix. Alors frère et tout. 80%. T'as 80% et tu lui ferais 120 dommages seulement. Pas que 120. C'est peut-être pas dégueulasse non plus, mais 100. Là, ce serait pas lourd. Là, je pense qu'on peut nettoyer ce Tyrannofex là déjà. C'est bien. Là, ce serait de 0 à 1. Contre le Tyrannofex, il est un peu loin, quoi. Bon, tu sais quoi, je vais tenter un truc. Alors, la sœur, elle est où? Allez. Et je vais utiliser le bonus de la sœur pour la buffer. T'as recommencé 3 fois la dernière mission. Oh là là, j'apprends déjà. J'essaie d'aller décapsuler, je pense qu'il peut le faire avec le bonus qu'il a. Bien joué. Déjà, on va nettoyer un peu ce qui arrive.
Pas mal. Eux aussi, ils ont une grenade maintenant. Et elle est pas dégueulasse cette grenade. J'ai l'impression qu'elle est meilleure, quoique. 67,90. Not even death will stop me. T'as un pistolet plasma, toi, en plus. Il fait porte optimale 1. Il est pas mauvais du tout ce plasma, mais il faut l'utiliser sur une bonne cible en gros. Par contre là, va falloir se remettre là. On va essayer de. On va liquider cette escouade, tant qu'à faire, c'est de l'armagon, c'est chiant. Ah, ils ont survécu, ok. Bon, on va tenter quand même 19%, mais bon, même si je crois moyen. Rien du tout, dommage. Je vais envoyer le Tech Marine ici. On va tenter d'amocher un peu là. Donc là c'est fait, là c'est bon. Je vais tenter un truc. Mais non, je me suis trompé, putain. Non, je voulais tirer l'autre morceau, il fallait que je rejoigne du sectionner, tu me diras aussi. Et ils ont pas encore agi, balance flamme. Parfait. Bon, mets-toi là comme ça s'il tente un truc. T'as 51% de chance là. Bon, allez, on va tenter d'abattre ce Tyrannofex. Points de vie, franchement, c'est pas mal pour un truc non amélioré de base. Je vais rajouter de l'incinérateur lourd à plasma. Donc là, j'ai tout droit à gauche. Le prêtre, je vais le bouger là. Tentez de shooter, allez. Bon, c'est un tour moyen. Ça va, il bouge vite, hein. On va y arriver au corps, vous inquiétez pas. Ouh, ils vont se prendre un coup de lance-flamme là. Ah non, même pas du corps à corps, ok. Ouf. Ouh là, ils se sont fait submerger, ils ont rien compris, ça c'est bien. Et le lance-flamme pour couronner le tout. C'est de la brochette, mesdames et messieurs. Wow, 33 quand même. Hein. Il va tirer sur quoi? Il va mettre du poison. Bon, ça va. Le prêtre pourra, l'un de mes prêtres pourra le soigner. Et le lieutenant qui couvre et qui fait baisser d'un point de mouvement, ça c'est bien joué. Ah
Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il y a encore les harpies, je les avais zappées celles-là. Ok, d'accord. Donc elles se sont mis là. Lui, il a fait son truc, mais ça aurait pu être pire. Alors, le prêtre sanguin, il pourra pas soigner. Fuseur, t'as combien? 80%. Pas mal. Là, on va achever ces derniers Gen Stealer. Ils l'auront pas. On va prendre le 65 ici. Au plasma lourd. Oh, 10 points de vie, ça c'est dégueulasse. Mais attends, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Portée optimale 1. Ça fait quoi? C'est là? 55. Merci. La sœur, elle est pas contente là. On va faire un petit coup de lance-flamme sur les Gen Stealer. Histoire de leur apprendre un petit peu la politesse. Ensuite, mon prêtre, il est où? Ah, il est là. Je vais me mettre là, admettons. Je vais les soigner, ils vont... Ah, ça va, mais bon. Là, tu es à deux. De quoi deux? Tu veux dire quoi? J'ai pas compris là, tu peux. J'ai pas recommencé la mission encore. Donc là c'est bien, ça se nettoie. Là il y a encore eux. Le char, il faudra qu'il fasse le boulot. Toi tu vas aller au lance-l'amour sur ces Gen Stealer. Ah, tu es à deux de portée. Ah putain, donc j'aurais dû me mettre en face. Ok, carrément quoi. Donc le pistolet plasma, c'est pas une si mauvaise bonne solution finalement. Je vais peut-être tenter le combo d'inverser la prochaine fois. J'ai gardé son fusil, je prendrai son épée. Après, est-ce que j'aurai le nombre de points suffisant? Ça, c'est ça aussi la question, quoi. Là, je peux pas faire grand-chose de plus. Là, j'ai plus de points d'action. T'as une grenade, toi? Débarrasse-moi de ces gargouilles, s'il te plaît. On va se reculer. Putain. Ouais, donc le plasma, c'est... Pistolet plasma, c'est pas une bonne solution avec elle. Hein. Vaut mieux que la garde son vue fusil, et je pense que l'épée, ça peut être plus judicieux pour elle. Bon, ils peuvent plus agir. C'est du plasma normal, ça. Ouais, tu pourras peut-être les dégommer, tu me diras. C'est bien joué. On va se rapprocher du cadavre. ...42% là, 65% là. Le Predator, si je le mets là, admettons. J'essaie de faire une grosse pression de ce côté. Bon, tente de dégommer là. Bon là, ça commence à déboîter sévère là. With strength, we fight.
infected, we die from the Imperium. We can handle it. Moving. Tu sais quoi, on va les achever, eux. Death to the Xenos Swarm. On aura fait pas mal de dégâts déjà, je trouve, pour un début de mission. J'espère qu'il n'y a pas d'autres portes à ouvrir, ça va me faire chier. Voilà, s'il y en a qui tentent un truc. Je crois qu'il y avait un truc qui pouvait être pas mal avec lui, c'est pour les unités de QG qui utilisent du corps à corps, il y a un bonus de dégâts. Faudrait que je revoie son arbre à lui, à Croginax. Qui est quand même un bon perso au passage. Hein. Et le frère, tu vas aller là. Quand j'ai vu qu'il y a une unité qui avait pris du poison, je sais plus c'est laquelle. Ah, c'est les agresseurs, ouais, tout à l'heure ils ont pris du poison contre le Tyrannofex. 56, bon, achève-le tant qu'à faire. Ouais, c'est toujours ça de prendre un gen stealer en moins, t'es content quoi. Ah, attends, je vérifie que j'ai bougé tout le monde. Non, ça va. Le dragon t'a bien encaissé. Si tu heals, ça fait disparaître le poison. Bah justement, tout à l'heure, je les ai heals. Il y a quelque chose qui se pointe, c'est quoi? Ok. Oh oh. Il y a encore elle, c'est vrai. J'avais pas pensé à elle, justement. Pour ça, il a encaissé sans broncher. On va utiliser surpuissance. Je vais utiliser. Alors, est-ce que si je peux me mettre là, je peux aller shooter le canon? Défendez contre la horde pendant 6 tours. Ok. Justement, vous allez dégager de cette zone. Parfait. Il y a autre chose là, j'ai vu. Les Thermagons encore. J'ai encore des munitions, je vais aller chercher les. Par contre, il va falloir éviter d'être en ligne parce que sinon la RP va nous aligner à nouveau. En vrai, contre des. Eh, peut-être contre des trucs, ça peut être intéressant ça. Attends une seconde. Il y a eu du cheat code là. Allez, à notre tour maintenant. Bon, il y en a eu quelques-uns d'amouchés, c'est toujours ça de prix. Par contre, là, va faire soigner les gars, surtout Plasma. À limite que je perds des intercesseurs, c'est pas tant grave que ça. Mais les plasmas, ça me ferait un peu chier, quoi. Bon, ils ont encaissé. Là, le frère, il va falloir se bouger. Je vais le faire passer là. Lui, il va venir là. Ouais, 35% si tu crois que je vais le tenter. Alors, le frère est tout, tu vas me soigner. Ok, c'est pas mal du tout.
s'ils tentent de bouger, bah qu'ils viennent. La sœur, faut la rapatrier en avant. Alors, eux, pour avoir une utilité, c'est que tu tapes sur un monstre, genre ça. Bah, faudrait qu'il soit bien entamé, bien sûr. Tu tapes sur un monstre, tu balances la grenade. Et après, si t'as encore une chance avec l'impulsion, tu fais une action de dégâts pour tout défoncer. On ramène les agresseurs là. Je vais pas le tenter. Je peux bouger encore ou pas? Non, je peux pas bouger davantage. Par contre, si je fais ça, admettons. 59, je vais le tenter. Hein. Voilà, comme ça, s'ils tentent un truc, bah qu'ils viennent. Pourvu que la harpie va pas frapper. Il y a un intercesseur qui est tombé. Quoi? Bah oui, c'est le truc de la harpie, je suis con. Faut que je bute ça, sinon ça va m'en faire popper à l'infini, quoi. Bonjour, jeune de vigilance DCA. Ok. Et attends, ils étaient face à toi, t'en as pas contre rien. Tu te foutrais pas de moi par hasard. Bon, ils ont encaissé, ça va. Mais il y a du monde sur le côté. Bon là c'était stupide mais bon. Toi va falloir les soigner eux parce que bon. Allez des gommes en moins s'il te plaît. Merci. Ce dread a pris cher hein. Le Tervigon bouge, ok. Bon. L'armure du... là c'est bien. J'accélère un petit peu le tour. Waouh, mais il y a du monde, hein. Oui, bah vas-y, je te ramène des trucs. Ok, d'accord. Bon. On a un petit problème de masse parce qu'il y a du people. Hein. J'espère que mon armée va faire le poids, c'est juste ça dont j'ai peur. C'est eux qui ont planté les lance-flammes là. Voilà, unité de gargouille en moins, c'est bien. Your
Là, il va nous falloir du renfort au centre. Hein. Il y a trop de gens, là. Alors, admettons. Je peux aller jusqu'où avec eux? Bah, pas très loin. J'ai plus de points d'action. D'accord, ça commence bien. Il faut qu'on se replie là. Oh, ils sont 4. Tu te mets là. Un petit mouvement, mais je sais pas si ça va passer. J'aimerais tellement en fait utiliser le lance-flamme, quoi. Allez. Ah bah vas-y, c'est la fête. Vas-y, 2 unités à nettoyer, ça peut être un. Voilà. Face à eux. Comme ça, je tente le fuseur. Ah, oh putain, il y a un autre Tyrannophex au fond. Oh. Donc toi, admettons, c'est de l'incinérateur à plasma de base. Là, toute l'unité s'est faite nettoyer, c'est bien. Derrière, je vais me reculer parce que eux, je sens qu'ils vont faire un coup de Trafalgar. Ça, s'il y en a qui tente de muter des trucs, bah, il va s'en prendre plein la tête. Toi, tu vas me tirer là-dessus. Voilà, les gargouilles sont bien amochées. Je vous replie derrière le poteau. Je vais reculer mon dread. Le frère, tu vas me les soigner. Je vais essayer de les zigouiller, mais ouais, 52%. 55, on va le prendre. Bon, on les a bien entamés, c'est cool. Puis s'il y en a un qui tente d'emmerder le monde, il va se faire niquer comme ça. Là, mon but, ça va être d'essayer de... les retenir ici s'ils tentent un passage. Et j'ai encore mes plasmas derrière. Il faudrait qu'ils servent. T'as combien de pourcents? T'as pas beaucoup, tu m'iras. Peut toujours un de moins. Tout ce que je peux faire pour le moment. Putain, il va falloir tenir 6 tours, ça va être long. Oh, il y a le Tyrannophex qui se pointe là. Pas le T-Rex, hein, le Tyrannophex, c'est déjà pas mal. Ça va le shine encaisser, c'est cool. Oh. Voilà, bien joué. T'en as eu un là. Il
Bon, pour le moment, sur la droite, c'est tranquille. C'est plus qu'ils viennent. Ouh, il y en a deux. Ok, d'accord. Les agresseurs, ils mangent. Alors, technomage, vous venez là. Toi, t'as de lance-flamme lourd. Voilà, tu manques quand même deux comme ça, merci. Surpuissance. Il y a un point rouge. Je pourrais refaire cramer deux en vrai comme ça. Voilà. Et en plus on gagne un point de commandement, donc si c'est pas merveilleux. Maintenant on va falloir faire du dégât et du bon. Là on a renversé un peu la donne. Là le fuseur, il me faudrait que j'arrive à dégommer eux, mais bon. Pour le moment c'est pas la joie. Admettons. Déjà, eux, on va essayer de les repousser. Ouf. Ça déchire pas mal, là. Toi, tu peux rien voir. Il y a un groupe de Gen Stealer à moucher. Si je veux shooter, non, il est trop loin. Surpuissance. Voilà. C'est pas qu'un dar en personne, mais il fait le job. Il faut vous soigner. Parce que vous allez prendre tarif sinon. Parfait, beau travail. Je tentais un coup de fuseur sur le Tyrannofex. Ouais, c'est pas mal. Là, on peut commencer à leur faire très très mal si on joue bien le coup. Là, il y a du monde. Je commence par quoi? Les Gen Stealers sont les plus dangereux. La tour, elle allait. Bon, là, c'est cool. Ils l'auront pas. Allez, cartonnez-moi ces derniers pour ma grande. Ouf.
Je vais essayer d'encaisser là. S'il y en a qui tente un truc, bah, il va s'en prendre plein la tête. Les plasmas. La sœur, tu vas remonter. Toi, tu vas remonter. Le tech marine, là. Ah, tu peux plus bouger. Le 73 sur le lui là. Ou eh, le 73 il est béni là. Il va régénérer, vous allez me dire, mais bon. Ouais, le 73 était très béni en fait. Et toi, on va tenter de l'achever le tiers vigon là. Ah, dommage, il reste 10 points de vie. Allez, c'est le dernier chain stealer, si on peut l'achever. Bon, 3 points de vie, mais bon, il reviendra pas de sitôt. Ah. Il se régénère. Wow, mon dieu, 6 points de vie. Qu'est-ce que vous en pensez de la gestion? Pour moi, je pense qu'on... Enfin, je trouve que je m'en tire bien. Ouf. Voilà, merci. Ouais, il est général de l'autre façon. Ouais, bon, tu me diras, c'est un humain à l'intérieur d'un sarcophage, ça se tient là-dessus. Bon, on a eu un des termigons. Là, le tyrannophèque, il va bouffer aussi. Donc, il faut aller le soigner, là. Derrière une couverture complète. Faudrait que j'arrive à dégager eux là. J'ai combien là? 35. Par contre, Iou, mon Iou Kroginax, il est là. Ça va être un chemin pour aller le soigner. Oh non, il va. Ah merde. Il va manger. Bon. Faut essayer de la réparer. Parfait. Non, on va éviter les grillades. C'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas envie. Ah, il y a surveillance. Dans le 2, ils pourront rien faire. Pas mal. Le tervigon, il est bien entamé, ça fait plaisir. T'as plus de grenades, toi. Derrière une couverture complète, ok. Là, je peux rien faire pour l'instant. À moins que là... Parfait. Beau travail ici. Et en plus... Bah, tu sais quoi, tu vas aller nous...
Et attends, tu vas peut-être aller nous faire une petite grillade de terre vigonde en... comme ça. Bon, il tank bien, papy, hein. Ah, il a pas aimé. Je suis sûr. On est en train de prendre le dessus petit à petit sur la horde, c'est bien. Le blindé, je le mets là. Tu vas me l'allumer, Stervigon, de côté. Parfait. Là, il est dans la merde. Il le sait. J'ai plus de points d'action. Maintenant, lui. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on l'achève, lui? Non, on ne l'aura pas. Là, on ne l'aura pas. On manque en deux savons de dégomme. Bon, on l'a pas fini, malheureusement. Allez, les deux tervigons là, c'est du passé. Va falloir essayer de dégommer le Tyrannofex en face. Et ça, c'est un autre morceau. Tech Marine, standing by. Je peux tenter de le taper. Couverture complète, couverture complète. Là, je vais tenter le coup de plasma, mais j'y crois moyen. Oh, quoi que 55%, tu me diras. Bon. Elle a fait 4 sur 6 quand même, donc plus de la moitié. Ah, je hais mon contre mes trucs loop. Pas mal. Là, il est bien entamé. Je le replie derrière ce poteau-là. Toi, tu viens là, le prêtre. Soin. Toi, tu vas soigner les intercesseurs ici, même s'ils sont plus que 4. Je vais tenter un tir là, en diagonale sur eux. Tu l'as? 65%. Moi je le prends. Plasma lourd s'il vous plaît. Une petite livraison. Casse-toi. Rentre chez ta mère. Donc là on a abattu pas mal de gros monstres. Hein. Donc... Bon, ils sont nombreux, mais là ils vont. Là, je pense qu'avec la chute des gros, on a fait de plus dur, je trouve. Ah, il y a des gargouilles. Oh, j'ai pas surveillé mes arrières. Ils sont empoisonnés. Ah, si, sauf s'ils le soignent. Bon, ça va, il encaisse bien notre dread. Aujourd'hui, il a pas encaissé du tout. Là, il faut qu'on aille on le ramène et qu'on le soigne. Ah, s'il se focus que sur lui, en plus, il est dans un coin. Il y a un petit couvert, on va dire. C'est un couvert partiel. Donc, ouf, toi. Attends quoi, ennemi derrière une couverture complète.
not falter. Parfait ici. Ce dread là, il va se replier ici. On va commencer un peu à le soigner, hein. Il le mérite. C'est pas mal. Oh, le beau tir en diagonale, là, regardez. En plus, ça sèche littéralement une escouade de Gen Stealer, donc ça me plaît. Le 17%, on va pas tenter le diable. Ouais, je pense qu'ici on pouvait les équiper de lance-flammes, ça serait cool quoi. Derrière un couvert, le couvert, couvert, ils sont derrière une couverture. Nickel ici. On a une autre, deux autres escouades ici qui surveillent. C'est des intercesseurs, les anciens. En gros, c'est les anciens tactiques, comme je disais. Je me méfie qu'il y en ait dans le dos. Thermagan zigouillé. Beau travail, beau travail, beau travail. Ma sœur au cas où. Whatever the angel requires. Tu remets un coup? Non, tu peux pas. Par contre, là, j'ai vu qu'il y a eu de la casse là-bas. Enfin, un peu de casse, mais c'est relatif. Là, on est bien. On est très bien. On va se mettre là en défense. Oh, mon prédateur, il a tiré, hein. Il n'a pas de cible à portée. Tu disais 55-75-64. Là, ils sont bien entamés, c'est cool. Que reste-t-il? Soin. C'est pas les unités les plus adaptées, mais pourquoi pas. Ah, on va bientôt avoir un point supplémentaire, ça c'est cool. Ok, il y a d'autres unités qui arrivent, et en plus... J'ai bien fait de mettre mes unités là. Voilà, il n'y en a aucun qui avance, qui a réussi à passer, c'est cool. Le poison, effectivement, c'est soigné, t'avais raison. Oh mais vous, ça va, vous faites pas chier en face. Bon, je crois que là, il va y avoir du boulot. Qui arrive encore. Il y en a un qui est tombé, c'est toujours ça de prix. Que lui, le papy, encaisse. Eh ben voilà, le technomage qui s'énerve, c'est bien. Le technomage, le techmarine, pardon. Je vais pas commencer à les confondre, ça va pas le faire.
Parfait ici. Tech Marine, tu me répares ça. Voilà, t'as réparé le copain. Il y a une unité de gargouille là. J'ai une idée, attends, on va voir. Est-ce que ça suffira? To the sky, brothers. Fire support. Là, le frère, il va soigner. Voilà, l'effet est parti. Et là, on va prendre 50% sur eux. Il y en a eu deux de shootés quand même dans le tas. Et là, on découpe. Les achever, ça serait cool, même si j'ai gros moyen. Voilà, ça c'est cool. T'as de lance-grenade, toi, c'est vrai. Merci. Bien joué ici. Bon, allez, la sœur, vénère-toi un coup là. Ouais, donc le placement, on oubliera. Hein. Quand je vois sa Gatling à l'archiviste ou à Canada, je repense au Nemesis dans le film de Resident Evil, quoi, avec sa Gatling. Donc là c'est good, là c'est good, là c'est good. Bon, il reste quoi? Il y a ces 3 gènes stealers là-bas. C'est du blaster lourd ça. Bon, si tu peux les choper les 3 sur un 55%. Ah bah tu m'en arraches 2 quand même, c'est cool. On va couvrir. Dommage. Wow, le joli coup critique. Aïe, aïe, ça c'est le truc con. Ah, t'es aussi. Oh, bon, ok, c'est les dernières vagues, je pense. Mais là, j'ai bien fait de les mettre en surveillance. Ça va. We are the blood blades of Skyfall. Je m'en doute, le cuir. The blood is strong. Do not falter. Ok, on a perdu que 2 soldats, mais pour moi, on a perdu aucune escouade, donc ça fait plaisir. On va achever les dernières escouades, bien sûr. On voit le tank. In all my service,
I have never seen such unfettered power and rage. He rests with Sanguinius now. Come, brothers. We will corner the tyrant and teach it in exquisite detail the wrath of the angelic host. Come now. The battle sister has seen too much. She watched a sanctioned psycho lose all self-control. On les a bien défoncés, hein, quand même. Je suis satisfait. We can't let her walk out of here with that knowledge. The Emperor guides us, brother. We will have our vengeance first. The sister's fate can be decided after. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté? 12 Ormagons, 10 Termagons, 12 Gargouilles, 3 Tyrannofex. Ah, on en a liquidé 3. 12 Gen Stealer. Donc là, on est bon. Par contre, là, je voudrais bien voir un peu. C'est tout, on a liquidé tout, que tout ça. Enfin, tout ça. Tu me dis, il y a déjà pas mal de trucs. Ouais, on a fait le boulot. Par contre, Sir Verity, le pistolet plasma, c'est pas pour toi, ma grande. Hein. Ouais, belle victoire, elle fait plaisir. Bon, 2 soldats perdus, mais aucune escouade, donc ça va. Donc là, je pense que c'est la mission finale, je suppose. Le tir en 2 balles. Donc à mon avis, il faudra éliminer le tyran et tout ce qui s'ensuit, c'est ça? Moi, je le sens comme ça, la mission. Alors, gestion du QG. Qu'est-ce que je peux rajouter? Le corps à corps, ça m'avait un peu servi. Hein. Mais bon, il faut essayer de penser pratique. Elle, c'est sûr, je vais lui mettre ça. Comme ça, elle aura un point d'armure supplémentaire. Elle est considérée comme adepte de Sœur des Sorts adepte. Donc ça lui fera déjà un point d'armure à distance et en mêlée, un peu d'évasion. Alors, pour Kindar, ouais. Il me reste 19 points. Je ne suis pas servi du Landspeeder la dernière fois. Le canon lance-lame, ça peut être une option. Bon, force dans le sang, plus 1 de perforation d'armure en mêlée pour les unités de QG, je pense que ça va être peu utile. Il faut que je prenne accueillir le sang avant, ce qui va donner 40 points d'impulsion supplémentaires. Les 15 points de dégâts, je vais les prendre. Donc déjà, ça c'est bon. Gestion de l'armée. Alors, ma sœur. Je suis désolé, mais le plasma, ça n'a pas été une grande... Ça n'a pas été glorieux. Si je te prends l'épée énergétique, par contre, je pense que ça pourrait faire du bien, quoi. Ouais, à mon avis, il va nous falloir du gros plasma pour le tyrante. On l'a pas encore croisé, je crois, comme unité dans la campagne, mais ça m'a l'air d'être un sacré morceau. Je pense que pour moi, le tyrante, c'est un gros chef, quoi. Bon, bah, on va y aller, hein. Je bois juste une gorgée. Et here we go. Si je joue avec une campagne avec les orques, je crois que je la ferai tout de suite. Hein. Je vais me marrer avec eux.